Donc pour faire les samosas aux épices, il vous faut 4 feuilles de brique, 2 pommes, une cuillère à café de 4 épices, un sachet de sucre vanillé, 2 cuillères à soupe de sucre, 8 cuillères à soupe de crème fraîche, 2 cuillères à café de margarine. On va commencer par peler et râper les pommes. Vous avez pelé et râpé vos pommes, vous allez prendre un peu de citron. Voilà. On va y ajouter les 4 épices, le sucre vanillé, on va bien mélanger le tout et on va mettre de côté. Nous allons dresser nos samoussas. Donc on prend la feuille de brique, on la coupe au milieu, on la détache délicatement. On fait son rectangle. Donc là, j'ai replié le bord arrondi pour que ça fasse un rectangle. Je mets un peu de ma farce de pomme aux épices. Je mets une cuillère de crème fraîche par-dessus. Et là, je vais replier le bord pour que ça fasse un triangle et hop, vous pliez comme un drapeau. Là, quand c'est fait, il vous reste un petit peu de pâte. Vous le prenez et vous la passez en dessous. Et voilà, votre samoussa est fait. Donc, vous en faites à peu près 8. Mes samoussas sont faits, on va les badigeonner avec la margarine et les mettre au four pendant 10 minutes à 200 degrés. J'ai mis à préchauffer mon four à 200 degrés. Là, je vais badigeonner de margarine mes samoussas et les enfourner pendant 10 minutes au four. Et voilà mes samoussas, pommes aux épices. Bon goûter! Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci!